Kính thưa quý vị, chúng tôi hân hạnh chào mừng quý vị trong đêm giới thiệu văn hóa Việt Nam. Thay mặt các nghệ sĩ, trước sự hiện diện nồng hậu để chia sẻ và hỗ trợ của tất cả quý vị là những người đã am tường thấu hiểu, chúng tôi xin phép giới thiệu chương trình và giải thích những nét độc đáo trong âm nhạc cổ truyền bằng tiếng Pháp. Và kính chúc quý vị một đêm văn nghệ thật vui. Xin cảm ơn. Mesdames et Messieurs, bienvenue à notre concert de musique traditionnelle du Vietnam. Toujours dans l'amour et dans la fidélité tissée depuis l'éternité entre les artistes et le public en or. Nous, les Vietnamiens, d'origine d'un pays de 4000 ans d'histoire, un tout petit pays lointain, pauvre, mais riche de cœur, faible, mais fort de créativité. Un peuple qui vit sans cesse dans la guerre, dans les difficultés, mais qui reste toujours un Vietnamien poétique qui aime chanter des chansons d'amour. Avec notre langue chantante, cela prouve que la musique est dans nos sangs, que la poésie est dans nos âmes. Nous sommes très heureux d'être ici ce soir avec vous, notre public de Québécois, des gens qui ont le cœur dans la main, des gens hospitaliers, toujours prêts à supporter les artistes qui viennent de partout avec votre souffle de chaleur humaine. Nous sommes très heureux de partager avec vous une partie de la beauté de notre culture avec une langue sans avoir besoin de mots, la musique. À cause du voisinage, la musique vietnamienne a pris un petit peu de l'influence chinoise, un petit peu de l'influence indienne, et avec plus de 50 minorités ethniques comme compatriotes. La musique vietnamienne est en quelque sorte la résultante de ces plusieurs différents courants d'influence parfaitement assimilés, mais intelligemment adaptés à notre goût. Avec nos créativités d'y apporter des éléments très originaux, très autochtones, très particuliers, qui font de cette musique notre musique vietnamienne bien distincte. Alors je voudrais vous laisser découvrir au fur et à mesure la subtilité exquise de notre musique traditionnelle, composée de musique classique et de musique contemporaine, en passant par le populaire, le tout conjugué à des sons envoûtants de nos instruments très variés ici présents sur scène. Et si vous me le permettez, je vais vous les présenter en bref. Je voudrais vous présenter la sitar à 16 cordes. C'est de la même famille que le koto japonais, que le kochin chinois, le kayukum coréen. C'est un instrument de bofu de manche, dont les cordes sont étendues sur toute la longueur et parallèles à la table de résonance. Voici la vielle à deux cordes. Le son ressemble à celui du violon, mais la mèche de l'archet passe entre les deux cordes, ce qui fait que nous n'avons pas peur de le perdre. Un morceau de résine est collé à la boîte de résonance, et le musicien frotte le morceau de cellophane en jouant, et ce qui fait que notre archet ne manque jamais le cellophane. Et pour régler l'intensité des sons, il suffit un geste très simple. Il faut appuyer plus ou moins fort à la boîte de résonance. Ainsi, on peut passer du forte au piano, c'est-à-dire du fort au faible. Et la lutte en forme de lune, ainsi appelée à cause de sa boîte de résonance ronde comme la pleine lune. Ici, c'est le danbonga. C'est un monocorde très primitif, très classique dans l'ancien temps. Et la corde est divisée en deux parties par un morceau de bois. Et on attaque la corde avec une tige de bambou. Dans l'ancien temps, c'était de l'intérieur à l'extérieur, mais à présent, c'est de l'extérieur à l'intérieur. Mais la tisse de tan
notre musicien Menti, instrumentiste, que vous allez découvrir son talent un peu plus tard. Il a voulu améliorer les possibilités techniques de ce monocorde en divisant la corde en trois parties, supportées par deux morceaux de bois. Et on peut taper la corde avec une baguette. Et cet instrument peut être servi comme un instrument à percussion, c'est-à-dire il donne des sons comme ceux du tambour. Et c'est un monocorde vietnamien, unique qu'on ne trouve qu'au Vietnam. On peut dire que c'est un instrument vietnamien, éminemment vietnamien et vietnamien par excellence, dont l'unique des cordes est relié à son extrémité, à un morceau de bois en forme de calabasse, servant de résonateur. Posé à ce manche flexible, et la corde doit être attaquée avec un plectre à des points bien précis, appelés nœuds de vibration. Et avec ce manche flexible, on peut faire varier la tension des cordes par suite des hauteurs relatives des sons harmoniques. Et grâce à cette combinaison de ces deux principes physiques, l'unité des cordes peut couvrir une étendue. Alors, par le contraste de simplicité de forme, de richesse de son, pénétrant les cœurs, traversant les âmes, tout cela fait de cet instrument une beauté géniale. Alors, je pense que déjà de petites connaissances suffisantes. Comme une corbeille de fleurs et feuilles ramassées par-ci, par-là, dans votre rempli, dans votre main, il est temps de vous inviter à rendre visite à notre jardin musical. Et à partir de cette minute, ne m'écoutez pas comme votre animatrice, mais comme votre jardinière bien dévouée. Ainsi, ayez l'âme fleurie, le cœur épanoui et passez une très bonne soirée. Merci.